Bonjour la famille, c'est le président Papi Diatezoa d'Intermarché Télévision, l'émetteur sine qua non du concept télévision sur les réseaux sociaux. Nous sommes vendredi 1er avril 2016. Je suis chez moi dans mon bureau au 7e étage Horizon West Calgary, Canada. La journée du 1er avril est en français ce qu'on appelle le poisson d'avril. En apprenant la mort de son ami Lazare, même le Christ s'est laissé aller aux larmes. Jésus-Christ pleura. La mort a causé une profonde tristesse à certains serviteurs de Dieu. Martin Luther King a dit, « S'il n'y a pas de rire au ciel, je ne veux pas y aller. Je veux rire. Quand les rachetés iront chez eux, leurs bouches seront pleines de rire. Capis-je ? Pleines de rire. » Le poisson d'avril est célébré chaque année le 1er avril en jouant des farces et en propageant des canulars qui conduisent à rire. C'est populaire depuis le 19e siècle. Cette journée n'est pas un jour férié ou chômé dans n'importe quel pays. Au Moyen-Âge, le jour de Nouvel An était célébré le 25 mars dans la plupart des villes européennes. Dans certaines régions en France, le Nouvel An était une longue semaine de vacances se terminant le 1er avril. Certains auteurs soutiennent que le poisson d'avril était né parce que ceux-là qui célébraient le 1er janvier jouaient des tours à ceux-là qui célébraient d'autres jours. La pratique du 1er janvier comme le jour de Nouvel An était commune en France. Vers le milieu du 16e siècle, et cette date a été officiellement adoptée en 1564 par l'édite des Roussillons. La pratique de farce de poisson d'avril est vraiment controversable. Le point positif de poisson d'avril est que ça peut être bon pour la santé, car ça encourage de blagues canularesques, farce, le rire du ventre et apporte tous les bienfaits du rire, y compris le soulagement du stress et réduit la pression au cœur. Le point négatif décrit le poisson d'avril comme effrayant, manipulateur, grossier et un peu méchant, ainsi que sur base d'un plaisir malicieux et de tromperie infernale. Authentiquement, quand un news est publié le 1er avril, jour de poisson d'avril, il est parfois interprété comme une blague. D'autre part, parfois, des histoires conçues comme des blagues sont prises au sérieux. De toute façon, il peut y avoir des effets indésirables, tels que la confusion, la désinformation, le gaspillage des ressources ou encore des conséquences juridiques et commerciales. Les plaisanteries pratiques ou farces sont généralement écervelées, réversibles et non permanentes, et visent à rendre la victime stupide à un degré de folie, mais peuvent également faire appel à la cruauté et devenir une forme d'intimidation si elles sont effectuées sans finesse appropriée. Apporter tous les avantages de rire, tel est le but de Poisson d'Avril, parce que rire ou un sourire ne coûte rien, et apporter beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir ceux qui les donnent. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. En effet, considérer quelque chose qui soit légal est une chose, l'utiliser en est une autre. Tout dans la vie est question de choix, comme qui dirait à tout seigneur, tout honneur. Cette journée du 1er avril, le poisson d'avril, nous conduit également à réfléchir sur un sujet délicat. Question d'honneur. Vous savez, une confession est une déclaration ou aveu que fait une personne soit en public, soit en privé. Un, de ses croyances et deux, de ses péchés. Albert Einstein a dit une fois insensé en autorité est le pire ennemi de la vérité. Les Saintes Écritures définissent les conditions qu'il faut remplir pour être pardonné par Dieu. Sous la direction de l'Esprit Saint, les apôtres pouvaient discerner qui remplissait ces conditions, ce qui leur permettait de dire à quelqu'un que Dieu avait pardonné ou non ses péchés. C'est pourquoi nous, en tant que croyants chrétiens, nous avons notre code de conduite qu'est la Bible. Et vous le savez bien que la plupart des pays à travers le monde régissent leur constitution en fonction du respect de la parole de Dieu.
Je me rappelle bien lorsque j'étais parti me marier à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, en novembre 2005. L'une des cousines de Valentin viendra alors me souffler à l'oreille en disant là que je venais d'honorer leur famille avec ce geste qu'est le mariage. Mais une fois installé en Occident, les dons changent. Le concept n'est plus le même. Et même certaines cultures deviennent mensonges dans un environnement autre que le nôtre. Et on dit souvent que l'intégrité redonne à la communauté. Il y a quelques temps, je disais dans l'émission Vérité Choc de Marie-Laure Mouaka que tout était question de choix. De même que le poisson d'avril a pour but de nous apporter les sourires, certains genres de vie également nous apportent de l'honneur. Il suffirait juste que ces personnes se sentent à l'aise dans leur peau. J'ai dit bien encore question de choix. Dire que l'argent ne fait pas le bonheur, est-ce là le poisson d'avril? Dire que l'argent n'impressionne que les filles fauchées paresseuses, est-ce là le poisson d'avril? Quand une femme travaille dur, un homme riche ne représente qu'un bonus et non une échelle de révalorisation ou de détermination de sa classe sociale. Plusieurs sujets affluent en cette journée du 1er avril, le poisson d'avril. On peut mentir les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, mais jamais sa conscience. Nos rêves sont aussi affamés que nos démons. Assurons-nous que nous nourrissons les bons. Laissons les filles apprendre. Je redis cette phrase en cette journée du 1er avril, le poisson d'avril. Laissons les filles apprendre. Laissons les filles s'entourer des femmes phénoménales qui sont confiantes et assez sécurisées pour savoir qu'il y a des places pour chacune d'elles de se rendre à la ligne d'arrivée, des graduées. Et même quand ce moment viendra, n'oubliez pas de rêver grand. Rêver d'être première dame des États-Unis d'Amérique, Michelle Obama, dans ce monde rempli des Kardashian, Sophie Grégoire Trudeau, Marie-Olive Lembe Kabila, Hillary Clinton, Alison Redford, Rachel Nolé, Sarah Palin, Marie-Antoinette Sassou, Duchesse Kate Middleton, ou même encore rêver d'être la reine Elizabeth. Gardons les sourires pour ce 1er avril, le poisson d'avril, et rappelons-nous que tout est question des choix. À tout Seigneur, tout honneur, salut. Avant rubrique dédicace, j'aimerais rappeler que cette vidéo de vendredi 1er avril 2016 ne sera postée que le vendredi 8 avril 2016 ou le dimanche 10 avril 2016. Le plus tard serait le lundi 11 avril 2016. Je garde une minute de silence pour toutes les victimes de l'attaque terroriste survenue le mois dernier en Belgique. Puisse le Très-Haut apporter réconfort aux familles des victimes. Je pense également à Amanda qui est indienne, Première Nation et était enceinte. Elle a perdu son bébé juste quelques temps après le meurtre de son mari, ici en Alberta, Edmonton. Bravo à Christine Chich-Thomas pour son joke ou blague de poisson d'avril le 1er avril. Merci au Parti libéral du Canada pour l'appel téléphonique. Ewad Dentel a changé de nom et est devenu MacLeod Trail Dental parce que Dr. Ewad vient de prendre sa retraite. Et Dr. Jennifer Silver est associée et maintenant nouvelle propriétaire de cette clinique dentaire. Valentin qui vient de commencer le samedi dernier son premier travail ici à Calgary et elle est en même temps étudiante à temps plein à Mont-Royal University pour 4 ans. Elle est en train de faire décoration intérieure. Ben, je tiens à rappeler qu'elle était déjà graduée au Congo Kinshasa, Académie des Beaux-Arts, École supérieure, Académie des Beaux-Arts. Elle est en train de refaire encore également pour 4 années de plus ici à Calgary, Mont-Royal University. École Sainte-Marguerite Bourgeoisie, Columbia College, Beau Valley College, YWCA Daycare, Arc-en-ciel Pomme des Renettes, Alberta Works, Calgary Housing, Horizon West Society, MEP, Maintenance Enforcement Program, Alberta Cooks, McDonald's, la chaîne des restaurants La Fleur au Québec, Honorable Jacques Vinette, la zone SCP, Favre Business, Interconnect CEO Lupin Diatesa, TELUS Mobility, Charter,
ma collègue golf, Monster Golf, Zari Boss Lady, Anita Kibukairi, Villa Bamato Resto, Pacheli Mikobi, Madilu Kakesa, Balsa Barbero, Honorable John Kerry, Mireille Lagrasse et Honorable Aimé Mukunda, Toronto, Ontario, Canada, Bibish Lutonadio, Maurice Chestnut, Honorable, Just Brittany, Monica Wood Rosgruber, Honorable Kirk Rosgruber, Francesca Petroani, Alfred Mpiolani, Honorable, Daddy Kinsala, Honorable, Mozart Wilonja Watuna, Je ne te calcule pas, Sulutani, Papa Chéri Jibempiana, Honorable, Pape Francis Bishop de Rome, Monseigneur Laurent Passigna, Mosengo, Honorable, Cardozo Mwamba, Bill Gates, Congolais, le Kremlin URSS, je salue le président Vladimir Poutine, Jasmine Mukia Calgary, Honorable Donald Trump, président François Hollande, Royal Canada Air Force, Mahogany, l'émir Adamo Ekoule, Mimi Kori, Honorable, Honorable Franck Didier Kori, Erika Maria, Thanks to Sophia Bailly, Montréal, Dieu merci Kori, Betty Lukalema, Honorable, Jojo et Papichu Lukalema, au State, Dedi Mulangu, Mao, Nenette Nzaki, Pasteur Pierre Casse, Honorable, Laurette Kouzikesa Madinda, Roland Madinda, Vicky Mourabou-Kirois, Patrick Mouninia, Honorable, Béatrice, Michaela Tamagero, Ontario, Pasteur Bienvenu Moubilanzila, Honorable, Bishop Claude Makengo, Yalin Evier Jérôme Calgary, James Kitt, Jacques Mpanga, Karim Panga, Yuyu Ngalula Chama, l'autorité soleil, le président Denis Sassou Nguesso, l'honorable Claude Ludovic Mbani, Optigade Shawinigan, former Prime Minister of Canada, Jean Charest, Monica De Maria, René Di Broda, honorable Steve Savagna, honorable Manu Mapuka, Kim Kardashian, Beyoncé Knowles, Jennifer Lopez, Ecolson Marguerite Bourgeoy, Linda Hope, Melanie Hens Ronaldson, Nathalie Hull, Melissa Martel, Elisabeth Corpella, président Mugabe, président Jacob Zuma, South Africa, Raphaël Montréal, Jessica Karine Atifa, Cendrillon Sandy Edmonton, Esther Tumba, Pasteur Thierry Cincola, Gueguette Diatézois en Belgique, Tamasha Blessing, Guidio Di Loé, Guillaume Soro Guy Bafaro, Honorable, Julien Gimbi, Bendele Kweyate, François Chunku, Patrick Chinchompo, Laetitia Moulaba, Mapoline Mouchia, Pat L. Aspiral Perseverance, Samrunati, Ben Buran, Amy, Abundant Life Church Susan, Jessica, Beverly, Verti Nelson, Peter, Zubia, Kurt, French Connect, EDD, Sheng Yi, Community Volunteer Income Tax Program Clinic, Mary Celine Chan, Prince Charles, Prince William, Slee Sylvester Stallone, Honorable, Jackie Chan, Chris Tucker, Chris Rock, Yvonne Nelson, Joyce Johnson, Steve Harvey, Cabo Congolo, Honorable, Pichu Maccabi, Clémence Mbengue, Tonton Didier Yoka, Tonton Bébé Yoka Boula, Emmanuel, thank you to McGill University in Montreal, to Concordia University of Quebec at Montreal, to my neighbor at University of Calgary, Gas Station ISO, TD Bank, Shop Drug Mart, Tim Autumn, Wendy's, Soundproof, Luigi Labaria, Bougainville Laurence,
Ritumarl Agar, Saba, Ejiarai, Honorab Jackson, Maricel Lolo Bandombele, Berthe Kachiami, Liliane Moulopo, Guilhem Boba, Babylos, Erwin Davis, Patricia Vediaka, Patience Pewa, Gigi Bossete, Oscar Congolo Honorable, Viviane Encore, Tonton Michel Vediaka Toronto, Altin Sofrani, Sofroni, Buona Iceberg, Walter Ottawa, Honorable Kabea, Moody Wambuji, Premier citoyen de la ville, Maire Nainaishi, Amina Munchi, Mike Mikiti Jedli, Mike Dia, Ty Lopez, Président Janan Ariana Wallace, Buster Rhymes, DL Ugly, Daki Mafuta, Boutique Schengen Montréal, Pasteur Joël Kamba, Momos Joe, Khalil Yurema Bati, 911 Porsche, Alina Rima, Dr. Ben Carson, Honorable Georges Wambano, Honorable Georges Dimbambu, Yves Dimbambu, Calgary Police Services, Honorable Christophe Bomolo. So, I thank you guys, I hope you guys, j'espère que vous avez aimé plutôt cette short vidéo du mois d'avril, du 1er avril, bien qu'on ait posté un peu tard, donc on s'en excuse également pour le poste, car c'est question administrative et nous avons eu pas mal de choses à faire, et puis on espère vous voir avec nos vidéos qui arrivent bientôt là. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Toutes les bonnes choses pour cette semaine qui commence, toutes les bonnes choses pour toutes les personnes qui sont au travail. Voilà, toutes les personnes qui sont au travail, je vous dis toutes les bonnes choses et je pense à tout le monde. Je pense également au pamphlet. Je pense également aux pamphlets qui ont déjà commencé. Vérifiez s'il vous plaît vos boîtes mail et donnez-nous des coups d'appel s'il vous plaît. Appelez-nous. Vous connaissez très bien le numéro, c'est le 403-971-1138. Email intermarché et télévision plutôt point intermarché yahoo datier. Donc télévision.intermarché@commercial.yahoo.com pour l'email, ou juste textez-nous à ce même numéro, le 403-971-1138. Que le Seigneur vous bénisse et toutes les bonnes choses du monde. Voilà. Je vous aime et je suis en train de prendre mon café là. C'est toujours un peu bon de prendre. Coffee. I'm taking some cookies also. C'est bon pour la santé.